Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Arrête de sous-exister. Je suis très heureux de démarrer ce podcast. Je vais t'expliquer déjà pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce premier épisode, pourquoi j'ai créé ce podcast, à qui il s'adresse et puis surtout qu'est-ce que tu vas pouvoir y trouver à l'intérieur. Pourquoi Arrête de sous-exister? Parce que je suis parti du constat que 90% des gens que je croise autour de moi sous-existe. Qu'est-ce que ça veut dire sous-existe? Ça veut dire, contrairement à exister pleinement, se contente d'une vie qui est un peu kiffante, mais pas trop, et qui se contente, deuxièmement, d'offrir au monde une version d'eux-mêmes qui est un peu eux-mêmes, mais pas trop. C'est-à-dire qu'ils se cachent derrière des masques, des carapaces, des protections, et s'empêchent d'incarner l'être unique qu'ils sont. Donc à qui s'adresse ce podcast? Ben, à tous ceux qui ont justement envie d'exister pleinement, c'est-à-dire de 1, de vivre la vie la plus inspirante possible pour eux, et je dis bien pour eux, pas pour l'idéal de la société, de leurs parents ou de leurs amis, mais de se créer la plus kiffante pour eux, et deuxièmement, d'incarner l'être unique et singulier qu'ils sont, c'est-à-dire celui qui ne ressemble à aucun autre, qui a ses propres désirs, qui a ses propres envies, qui a ses propres goûts, qui a ses propres avis, et qui ose incarner cette personne en enlevant toutes les couches de protection qu'il y avait autour. Qu'est-ce que tu vas trouver dans ce podcast? Eh ben, comme dans tout ce que je fais, mon but c'est d'aller à l'essentiel, et donc l'objectif de ce podcast c'est de te partager du contenu qui va pouvoir te transformer en profondeur de manière durable. Je répète, te transformer en profondeur de manière durable. Le but, ce n'est pas de t'apporter un shoot de motivation où tu vas écouter le podcast et pendant les 2 heures qui vont suivre, tu vas te sentir à fond, à plein d'énergie, et puis ça va redescendre 2 heures après. Peut-être que ça aura cet effet-là et ça sera un bonus, mais mon vrai objectif, c'est d'apporter du contenu qui va réellement te permettre de changer ton mindset, de changer ton état d'esprit pour que les changements se fassent dans ta vie de manière durable et profonde. Voilà, maintenant que la présentation est faite, je vais juste rajouter quelque chose sur la forme. Je ne vais pas passer beaucoup de temps ni d'énergie sur la forme de ce podcast. Tu n'entendras pas de petite musique de générique. Je ne vais pas passer 5 heures à faire la petite vignette de ce podcast. Je ne vais pas recommencer ce podcast 10 fois avant de le faire. Pourquoi? Parce que je veux mettre mon temps et mon énergie sur le fond de ce que je propose. Et puis comme l'idée c'est d'incarner aussi mon message, et que comme toi je suis un être parfaitement imparfait, et ben dans ce podcast tu vas trouver des fautes de français, tu vas trouver des bégaiements, tu vas trouver des hésitations, des blancs, tu vas trouver tout ce que tu veux. Je ne vais pas faire de montage, je le prendrai en une fois. Et voilà, parce qu'il y en a marre de voir des présentateurs de JT tout au long de la journée qui veulent que tout soit parfait. Et justement, c'est le thème de ce premier numéro qui s'appelle « Passe à l'action sans attendre d'être parfait ». Pourquoi « Passe à l'action sans attendre d'être parfait » Ben en fait, c'est exactement ce que j'ai fait pour ce numéro. C'est-à-dire que il y a une semaine, j'ai eu l'idée de créer ce podcast. Et puis le premier réflexe que j'ai eu, moi en tant que ultra perfectionniste, et oui alors il va falloir que je m'achète un micro, va falloir que je regarde un tuto pour comment faire un podcast, et puis il va falloir que je crée une vignette, ça va me prendre une semaine, et puis il va falloir que patati patata. Et donc peut-être que je pourrais commencer mon podcast dans 1 mois ou 2 mois, ou voilà, quand je serai prêt, quand ce sera parfait. Sauf que ça fait quelques années maintenant que je fais l'inverse de ça, c'est-à-dire que je m'entraîne à passer à l'action sans attendre que ce soit parfait. Je suis de base extrêmement perfectionniste et j'ai fonctionné pendant de nombreuses années à n'entreprendre que ce que j'étais sûr de réussir. Je répète, je n'entreprenais que ce que j'étais certain de réussir. Si je pensais que j'étais suffisamment préparé et que j'étais quasi sûr que ça allait marcher, je faisais. Si j'avais un doute, si j'étais pas assez préparé, si je pensais que ça pouvait échouer, je ne passais pas à l'action. L'avantage de ça, c'est que je réussissais absolument
tout ce que j'entreprenais. Les diplômes que je passais, les compétitions que je faisais, voilà, tout ce que je faisais dans ma vie, je le réussissais. Pourquoi? Parce que je ne tentais que des choses que je savais déjà faire et pour lesquelles j'étais sûr que ça allait marcher. L'inconvénient de ça, bah, c'est que quand tu fais ça et que tu fais que des choses que tu sais déjà faire, bah, c'est que tu sors pas de ta zone de confort, c'est que tu ne prends pas de risques et donc que tes résultats s'en suivent. C'est-à-dire que si tu n'échoues jamais, bah forcément tu vas garder des petits résultats, mais ce ne sera jamais des résultats à la hauteur de tes espérances. Et donc le message que j'ai à passer dans ce premier podcast, c'est tu n'as pas besoin d'être parfait pour passer à l'action. Par contre, tu as besoin de passer à l'action si un jour tu veux espérer être parfait ou en tout cas t'en rapprocher. Donc l'idée, c'est d'inverser ce rapport de « il faut que je sois préparé, il faut que je sois au point, il faut que tout soit maîtrisé avant que je puisse passer à l'action ». Plus tu vas faire ça, plus tu vas procrastiner et remettre au lendemain, et plus tes résultats vont s'en faire ressentir. Passer à l'action sans attendre d'être parfait, c'est se dire et admettre que je suis quelqu'un de parfaitement imparfait, je vais faire des erreurs, et c'est ces erreurs-là qui vont faire que le deuxième épisode de ce podcast sera meilleur que le premier, que le troisième sera meilleur que le deuxième, etc., etc., etc. Dis-moi ce que ça t'a inspiré, ce podcast. Est-ce que toi, tu as l'habitude justement de passer à l'action rapidement et massivement, ou bien est-ce que tu as tendance à attendre d'être parfait pour pouvoir passer à l'action et puis au fur et à mesure repousser au fur et à mesure l'inconfort? Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu ne fais que repousser l'inconfort. Tu sais que créer ce podcast, lancer cette entreprise, t'inscrire à ce cours de chant ou de piano, ce serait bien pour toi, mais ça va te générer de l'inconfort. Et donc en disant, ah ben non, il va falloir que j'attende d'être parfait pour le faire, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est comme si l'inconfort tapait à ta porte et que tu lui disais, attends un peu, j'ai besoin de me préparer, reviens plus tard. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? L'inconfort, il va revenir encore plus fort. Parce que quand tu lui dis bye bye, il sera toujours là dans une semaine, il sera toujours là dans 2 mois. Et peu importe quand est-ce que tu passeras à l'action, l'inconfort sera là. Donc, passe à l'action sans attendre que ça soit parfait. J'espère que ce podcast t'a inspiré et je te dis à la prochaine pour le deuxième numéro.